Le mégalodon est considéré comme le plus grand requin ayant jamais existé. Mieux, comme le plus grand carnivore dans l'histoire des vertébrés. Ce monstre terrorisait les mers et les océans jusqu'à il y a 2,6 millions d'années. Mais s'est-il vraiment éteint? Ne pourrait-il pas vivre encore dans les profondeurs des océans? Alors que la taille maximale du grand requin blanc atteint rarement plus de 6 mètres de long, celle du mégalodon pouvait aisément dépasser les 20 mètres. Imaginez donc un requin aussi grand qu'un immeuble de cet étage. Non seulement le mégalodon avait une taille géante, mais il avait aussi les dents qui allaient avec. Ainsi, chacune de ses dents ne mesurait pas moins de 15 cm, voire 20 cm pour certaines, comme le prouvent les fossiles retrouvés par les scientifiques. Cette taille est tellement impressionnante qu'on a même pensé au départ que ses dents étaient en réalité des dents de dragon. Sa force de morsure est elle-même particulièrement impressionnante, puisqu'il a été calculé qu'elle était 2 à 3 fois plus puissante que celle d'un T-Rex. Le mégalodon pesait entre 70 et 100 tonnes, ce qui représente le poids de 14 éléphants adultes ou de 33 grands requins blancs adultes. Pour se nourrir, ce terrifiant prédateur avait besoin, vous devez vous en douter, de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup. En gros, 1250 kg de viande par jour. Ainsi, il aimait se délecter des grands mammifères marins, comme les baleines, les dauphins ou encore les phoques. C'est d'ailleurs le manque de nourriture à l'époque de l'ère glaciaire qui aurait causé la disparition de cet incroyable animal. En effet, les grands requins blancs et les orques, plus agiles et ayant besoin de moins de nourriture, avaient toujours un coup d'avance sur les proies chassées par le mégalodon. Mais rassurez-vous, le mégalodon vivait dans les eaux chaudes et tempérées de la planète, ce qui laisse à penser que s'il existait encore aujourd'hui, il nagerait surtout en surface et serait donc facilement repérable. De plus, son existence aurait un énorme impact sur la chaîne alimentaire des océans, et il est donc strictement impossible qu'il soit passé inaperçu jusque-là.